Dans la démonologie, chapitre 1, verset 285, verset 284, il est dit ici, ces démons qui sont responsables de la plupart des maladies, virgule, épidémies et virus sont également derrière une grande société secrète. Donc, il y a une grande société secrète qui est dans le monde. Il y a des gens dans les laboratoires qui vont faire des virus, qui vont faire des expériences. Ils vont aller en Afrique, ils vont aller en Asie, ils vont aller dans plusieurs pays, envoyer des virus, tester sur la population. Et c'est là où il y aura des pandémies, des virus, des épidémies, ainsi de suite. Et derrière, ils vont venir comme des sauveurs pour pouvoir soigner des gens donc avec avec des médicaments, avec des vaccins, ainsi de suite, pour pouvoir encore plus s'enrichir. Parce que ces démons de la médecine travaillent beaucoup avec les démons de la richesse visible. On va vous expliquer cela. Cette société secrète occulte est intérieure à 1948. Parce qu'on vous apprend, quand vous allez sur Google, que le truc pharmaceutique ou pas pharmaceutique, truc organisation de truc de médecine, c'était en 1948. Mais la vraie société secrète, c'est antérieur. C'est-à-dire, c'est plus avant, très, 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 très éloigné de 1948, date de l'instauration, donc réinstauration, renouvellement officiel de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on vous apprend que l'Organisation mondiale de la santé, c'est en 1948, selon, en fonction des liens où vous allez taper. Mais cette société secrète existait déjà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1948, où on vous dit date par rapport de l'instauration de l'Organisation mondiale de la santé? Non, ce n'est pas la date de l'instauration, c'est plutôt de la réinstauration, renouvellement officiel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait déjà. C'est dans les sociétés secrètes où on va apprendre des gens, dont les médecins maintenant, quand ils vont faire les études, c'est par rapport à l'initiation. Et pendant leur initiation, on va les apprendre certaines choses. Et au bout, pour avoir le diplôme, pour sortir gradé, ils vont formuler des incantations. C'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. C'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et maintenant, qui est Hippocrate? Hippocrate lui-même, ce serment-là, c'est plus ancien encore que Hippocrate même. Donc, pour cela, l'origine de cette société secrète est occulte et fut bâtie mystiquement par le biais, c'est-à-dire intermédiaire, d'un nécromancien. D'un nécromancien. C'est quoi un nécromancien? C'est Muta Mpepe Bedingue. Et une nécromancienne, c'est Muta Mpepe Bedingue. Nécromanciens, c'est ceux qui sont possédés, en gros, ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Ce n'est pas des démoniaques, mais c'est quelqu'un qui a quand même ses facultés, qui a été initié pour voir son génie, pour voir son guide. Et son guide, maintenant, c'est un démon reptilien, dans le démon Python. Ce sont les démons Python. Et quand le démon Python entre en toi, il habite en toi, il va te faire voir des choses, il peut te faire voir des visions, il peut te montrer que telle maladie, il faut guérir, telle maladie, il faut faire comme ça, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle les nécromanciens. Et on a aussi vu cela dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs histoires aussi dans la mythologie grecque où on parle de le caducé. Le caducé, c'est le bâton qu'on voit avec le serpent enroulé. Et d'autres disent que ça a l'origine dans la Grèce antique. Mais on sait que avant la Grèce antique, on faisait déjà allusion à cela. Voilà. L'origine de cette société secrète est occulte, comme je l'ai dit, et fut bâtie mystiquement par le biais intermédiaire d'un nécromancien. D'un nécromancien. À l'époque du 5e siècle, date connue de ceux du visible. Donc, on vous dit ici qu'à l'époque du 5e siècle, date connue de ceux du visible. Donc, ceux du visible, ceux qui ne sont pas dans le secret. Ceci, bien avant que Mytilène, c'est-à-dire Jésus, parce que Mytilène, c'est qui? Mytilène, c'est
c'est un démon religieux de haut rang de différentes espèces. Un démon mi-agneau, mi-poisson, ainsi de suite. C'est un puissant démon hybride de haut rang qui a parcouru des civilisations, séduit plusieurs personnes. Donc, il va aller dans l'Égypte antique, c'est-à-dire il a parcouru l'Égypte antique. Là-bas, il était connu sous le nom de Osiris, communément appelé Osiris. Il va parcourir plusieurs, en fonction des noms, l'aspect, et à cette époque, il est connu sous le nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, c'est Issa, en fonction d'autres religions dites révélées. Ce Jésus, en fait, ce personnage dont fait croire aux gens qu'il est le sauveur de l'humanité, ceci bien avant que Mytilène, donc Jésus, le puissant démon, oiseau, guerrier et religieux hybride de haut rang, aussi mi-poisson, mi-agneau, ne se présente comme étant le sauveur en tant que Jésus. Donc, ce qu'on appelle Jésus, c'est un démon puissant. C'est un démon puissant qui, maintenant, à cette époque, va séduire des personnes par une fausse apparence.